J'ai rien fait pour que ça arrive, c'est comme Oui, une grâce. c'est J'en veux ça. encore. Oui, mais ça c'est là. Hein. Celui qui veut est en trop. C'est ça. Veut s'attraper. N'y a pas besoin. Tout nous appartient. Ou tout appartient à la source. C'est pour ça que je parle de confiance. Même quand il n'y a pas cette sensation que tu décris, qui est fort agréable, j'en conviens. Même, c'est là. C'est la lumière première. On est encore à chercher les effets de la lumière, vous comprenez? La lumière suffit. La source est la source de tous les effets, vraiment. N'y a pas besoin d'aller dans un second temps, en quelque sorte. Pas besoin de la caresse qui nous dit « je t'aime ». Nous sommes aimés déjà. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver, cette caresse. Justement, tu la reçois. Comme on peut la recevoir d'un parent, un enfant la reçoit de son parent, mais il ne la donne pas tout le temps. Il la donne juste de quoi, voilà, dire c'est là. Mais il veut surtout qu'on s'aime en nous-mêmes, qu'on n'ait pas besoin toujours d'un autre comme ça, de cet apport en quelque sorte. La source est en nous, voilà, elle est déjà là. Et c'est seulement la confiance qui la rend évidente, qui va la rendre efficiente, j'ai envie de dire. C'est pour ça, à nouveau, mettez-vous dans l'ouverture, sans chercher d'effet particulier, sans attente. Juste regardez, vivez comment ça est sans vous. C'est vraiment puissant. Il nous faut vraiment voir que c'est non discontinu. C'est invariable. La source ne peut pas manquer à aucun instant. À aucun instant, c'est pas possible. C'est automatiquement une perception relative, ça. Et c'est pas vrai, c'est pas juste. Alors, il y a des réponses qu'on peut donner à cette perception relative. Mais il s'agit de grandir de ça maintenant. De grandir. Nous sommes tous la proclamation de la source, sans exception. Même le pire l'est. Parce que la source ne juge pas. Elle n'a pas de catégorie. Il n'y a pas de dedans, pas de dehors. Tous les dehors et les dedans, c'est l'illusion qui les invente. C'est pour ça que c'est puissant de transpercer notre esprit conceptuel, de passer au-delà. C'est vraiment très puissant. C'est toutes nos propres lois relatives qu'on dépasse, tout simplement, qu'on invalide. Alors, ce n'est pas juste pour les invalider, ce n'est pas juste pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est pour se connaître dans la source, et uniquement pour ça.